Bonjour à tous les amis, c'est Serge le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce tout nouveau vlog, un gros projet qui nous a pris énormément de temps. Comme vous avez pu le voir, en partenariat avec le château de la Roche-Guyon. Aujourd'hui les amis, vlog spécifique à Erwin Rommel, général maréchal, l'un des plus connus durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au château de la Roche-Guyon en lui-même, qui est un endroit tellement sous-coté par rapport à son histoire et son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. On va enchaîner surprise sur surprise en découvrant ce château. Je remercie encore une fois énormément l'administration du château de la Roche-Guyon qui a rendu toute cette vidéo possible et qui m'a impressionné au moment même où je tournais le vlog. J'espère que ce concept va vous plaire. Bonne vidéo à vous. Déjà, la toute première chose à savoir qui est évidemment extrêmement important, c'est que le château de la Roche-Guyon, c'est un château gorgé d'histoire. L'époque de la Seconde Guerre mondiale est une infime partie de l'histoire totale de ce château qui a traversé les siècles, du Moyen-Âge en passant par la Renaissance jusqu'au temps contemporain, ce château a une histoire incroyable. En visitant le château, on ne peut que constater le côté artistique et surtout historique du château. Mais aujourd'hui, puisqu'on est ciblé sur Erwin Rommel, on va vraiment se concentrer uniquement sur la partie Seconde Guerre mondiale. Également, avant toute chose, qui était Erwin Rommel ? Erwin Rommel, c'est tout simplement l'un des meilleurs, voire le meilleur général de l'armée allemande, qui deviendra même Feldmaréchal durant la Seconde Guerre mondiale. Rommel, c'est tout simplement une carrière impressionnante de soldat au sein de l'armée allemande. Dans un premier temps, il sera rattaché à l'Empire allemand durant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale à la République de Weimar, et ensuite, lors de l'arrivée du Troisième Reich, au Troisième Reich allemand. On compte plus de 34 ans de carrière militaire pour Erwin Rommel. Il participera donc bien évidemment à la Première Guerre mondiale et également à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que Erwin Rommel est devenu très populaire, c'est tout simplement son sens brillant de la stratégie et de la tactique militaire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Rommel obtiendra même le titre de Renard du désert pour ses actes brillants durant la campagne d'Afrique avec son Afrika Korps. Mais également, ce qui fait que Rommel est énormément respecté de nos jours, c'est tout simplement qu'il n'est pas rattaché aux crimes de guerre, qu'il n'est pas rattaché aux crimes commis par le Troisième Reich, car c'était l'un des seuls généraux qui n'était pas présent au front de l'Est. Également, Rommel ne se disait pas intéressé par la politique et donc pas proche d'un point de vue politique du Führer, du moins de ses idéologies. Ce qui fait que Rommel sera énormément apprécié au sein de l'armée allemande et vu même comme un modèle, comme un exemple à suivre, c'est tout simplement qu'il est décrit comme un général, à l'époque où il l'était, très humble et très proche de ses hommes. Ainsi, Rommel est l'une des figures majeures de l'état-major allemand à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. A titre d'exemple, après la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre Winston Churchill, donc premier ministre anglais, a écrit un livre qui s'appelle The Second World War. Dans ce livre, Churchill évoque Erwin Rommel lorsqu'il s'était exprimé à la Chambre des communes. Il évoquait les défaites britanniques en Afrique en décrivant Rommel comme un adversaire extraordinairement audacieux et intelligent. Nous avons contre nous un adversaire très audacieux et habile. Et, si je puis dire, au-delà des ravages de la guerre, un grand général. Petite fun fact, du coup, sur Erwin Rommel qui est décrit comme l'un des plus brillants stratèges. Lors de la Première Guerre mondiale, il aurait tout simplement commencé à la tête de la 7ème compagnie allemande de la 124ème régiment d'infanterie. On pense au film La 7ème compagnie du coup. De la Première à la Seconde Guerre mondiale, Rommel ne cessera de gagner en grade et de progresser au sein de la hiérarchie militaire. Rappelons-le, à la fin, Feldmaréchal, c'est le plus haut rang allemand. Ainsi, pourquoi un Feldmaréchal allemand s'est retrouvé à la Roche-Guyon, au château de la Roche-Guyon? Quel était l'intérêt et quel était l'enjeu surtout pour Rommel d'être là-bas? Vous allez voir, on va le découvrir ensemble. Ok, donc là les amis, on va se rendre au château de la Roche-Guyon où on est attendu pour le tournage. Et du coup, on reprend la bonne vieille voiture des vlogs.
Finalement, c'est vrai que c'est bien beau de savoir qui était Erwin Rommel, mais le plus important reste de comprendre le contexte à cette époque. Qu'est-ce qui fait qu'il va se rendre au château de la Roche-Guyon ? Comme vous l'avez vu, Rommel, il se fera énormément connaître durant sa campagne dans le désert, avec son Afrika Korps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que quasiment tout lui a réussi jusqu'en 1942. La Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, elles semblaient inarrêtables en Europe. Bien que la bataille d'Angleterre donne du fil à retordre entre l'aviation allemande et l'aviation anglaise, l'Afrika Korps marchera dans un premier temps dans le désert. En gros, les Allemands partent dans le désert dans le but d'aider les Italiens qui essaient de progresser vers l'Égypte. L'Afrika Korps avance donc de la Libye vers l'Égypte. Dans un premier temps, le succès est plutôt phénoménal, ça marche très bien, les Anglais sont surpris, même les forces françaises libres qui combattent encore ont vraiment du fil à retordre en combattant Italiens et Allemands dans le désert. Mais, comme je vous l'ai dit, après 1942, la situation va devenir différente. Petit à petit, les forces françaises libres et les troupes anglaises dans le désert vont réussir à faire reculer l'Allemagne, et mieux que ça, en 1943, lorsque les Américains débarquent au Maroc, on peut dire que l'Afrika Korps est pris sur deux fronts. Les Américains, Anglais, forces françaises libres avancent d'un côté du Maroc à l'Algérie à la Tunisie, et de l'autre de l'Égypte à la Libye. En quelque sorte, l'Afrika Korps est vraiment cerclé, ce qui obligera Rommel à fuir le désert et du coup à abandonner l'Afrika Korps. On peut dire que pour les forces alliées, le front africain sera une victoire. Ainsi, fin 43, Rommel se retrouve en Allemagne. Romain, du château de la Roche-Guyon, nous aurait fait savoir qu'après l'Afrika Korps, eh bien tout simplement, on ne savait pas vraiment où placer Rommel. Il y avait déjà assez de généraux à l'est, et à l'ouest, c'était plutôt calme. Donc Rommel aurait accumulé quelques postes vacants, mais ce qu'il aurait voulu, lui, c'est vraiment de l'action. Comme vous le savez, depuis le désert, on remarque son sens brillant de la stratégie. On décide donc de le placer sur le front ouest, responsable du mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une fortification côtière énorme qui s'étend de la frontière franco-espagnole jusqu'aux Pays-Bas-Danemark. C'est une ligne de défense qu'on prépare tout simplement parce que depuis 1942-1943, l'idée d'un grand débarquement allié se renforce pour ouvrir un nouveau front en Europe et soulager le front russe qui est à l'est. Rommel étant brillant, on pense que le déposer ici, c'est d'abord avant tout l'occuper, et c'est aussi pouvoir permettre de mieux se préparer dans l'éventualité d'un débarquement allié. Mais du coup, pourquoi le château de la Roche-Guyon ? Est-ce que c'est vraiment si stratégique que ça ? Eh bien en réalité, oui, ce l'est totalement. De base, l'état-major allemand, notamment je pense le Führer, voulait placer le QG d'Erwin Rommel à Fontainebleau. Fontainebleau pourquoi ? Parce que c'est un endroit prestigieux avec un grand château, et puis même ça aurait été très bien pour un avant-poste allemand. Rommel ne veut pas. Pour lui, ça n'a aucun sens. Fontainebleau, qui est situé au sud de Paris, ne représente aucun intérêt stratégique. On sait que le débarquement allié s'effectuera de l'Angleterre vers la France. Ainsi, pourquoi le placer au sud de Paris ? Si le débarquement était amené à arriver, ce serait trop long pour Erwin Rommel de se déplacer. Ça n'a aucun intérêt géographique. Ainsi, Rommel aurait refusé personnellement Fontainebleau et aurait choisi la Roche-Guyon. La Roche-Guyon, il n'y a qu'à regarder sur la carte, c'est vraiment pas si loin de la Normandie, c'est vraiment pas si loin des côtes anglaises. Rommel, comme on peut le voir en Afrique, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être sur le terrain pour superviser les préparatifs militaires. C'est pas un bureaucrate, c'est vraiment un général, on va dire, de terrain, et c'est peut-être ça qui fait que ces hommes le respectent en grande partie. Il est dit, et encore une fois c'est anecdotique, que lors de la campagne de France en 40, Rommel, du coup, qui a participé à la campagne de France en 40 à la tête de la 7ème Panzer Division, aurait tout simplement eu un rapport comme quoi l'un des Panzers de la Panzer Division, de la 7ème du coup, aurait percuté les grilles du château de la Roche-Guyon, simplement en manœuvrant, et que c'est comme ça que Rommel aurait entendu parler du château de la Roche-Guyon et l'aurait choisi par la suite. Donc encore une fois, vraiment l'intérêt pour Rommel, c'était l'emplacement géographique à proximité des côtes normandes. En quelques instants, vous passez en Normandie depuis le château de la Roche-Guyon. Bon voilà les amis, donc là du coup on est au château de la Roche-Guyon, on est vraiment aidé par le château lui-même, par l'administration du château, avec une visite, un programme qui a été fait exprès au sujet de la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement complexe, extrêmement intéressant, donc on remercie déjà énormément le château qui nous a énormément aidé et appris sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Ils seront là pour nous assister tout au long du tournage et on va essayer justement de vous expliquer cette histoire au mieux, c'est parti. Tout au long de la vidéo, vous allez découvrir que le château ne se limite pas uniquement à la présence de Rommel. Il avait aussi plein d'autres tâches durant la Seconde Guerre mondiale. Si bien qu'avant le tournage, le château de la Roche-Guyon nous a déjà proposé une visite en amont pour nous faire découvrir l'histoire de chaque pièce. Ainsi, avant même de tourner le vlog, on avait fait une sorte de première visite avec notre guide Romain, spécialisé en Seconde Guerre mondiale au château de la Roche-Guyon. Romain, qui participera lui-même à la vidéo en nous racontant des histoires exclusives.
En ce qui concerne le maréchal Erwin Rommel au château, la plupart des choses se déroulent donc au premier étage. Car, bien évidemment, le maréchal Rommel n'occupait pas l'entièreté du château à lui tout seul. L'arrivée de Rommel à la Roche-Guyon, c'est en février 44. Très bien, donc là on est dans la première salle, c'est vraiment au premier étage comme on l'a dit. C'est vraiment ici qu'aurait été gérée toute l'administration de la Roche-Guyon à l'époque où les Allemands étaient là. Comme vous pouvez le voir, la salle est vraiment très large, il y a vraiment beaucoup d'espace. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y avait pas que des femmes qui géraient vraiment l'organisation de l'administration sur les machines à écrire. Il y avait aussi beaucoup d'hommes apparemment. Donc tout ce qui était le côté administratif Roche-Guyon, donc pas directement le grand état-major qui était beaucoup plus loin, c'était vraiment ici, c'était vraiment à ce niveau-là. La salle est très grande, donc ça aurait été beaucoup plus les cartes du front qui auraient été accrochées ici, beaucoup plus pour, on va dire, à titre indicatif ou à titre d'information par rapport à ce qui a été fait ici. L'espace est assez large, donc c'était vraiment, on va dire, un lieu approprié pour ça, selon les Allemands. Notez encore une fois l'importance de la présence de Rommel ici. Il est responsable du mur de l'Atlantique. On parle de milliers de kilomètres de côte à défendre en cas d'invasion des Alliés. On parle aussi de plus de 500 000 hommes mis à disposition de Rommel, justement pour protéger ce mur de l'Atlantique. Imaginez bien qu'à la Roche-Guyon, en gros, on donne les directives pour 500 000 hommes tout au long du mur de l'Atlantique. Donc évidemment, avoir un grand espace comme celui-ci, c'était très important pour les Allemands. Lorsque l'on quitte cette première salle administrative avec les cartes, on arrive tout simplement sur le secrétariat de Rommel. Après le secrétariat, se trouve probablement la pièce la plus importante. Je parle bien évidemment de la pièce de vie de Rommel personnelle dans le château. Donc là les amis, on est vraiment dans l'espace personnel, vraiment dans les logements personnels de Rommel. Quand il recevait son état-major, quand il recevait quelqu'un, quand il planifiait quoi que ce soit d'un point de vue personnel, même quand il écrivait ses lettres, ça aurait été vraiment dans cette pièce-là. Faut imaginer qu'à l'époque c'était vraiment pas du tout comme ça. Il y avait son bureau, il y avait une table pour qu'il mange, il y avait vraiment tout ce qu'un appartement a en temps normal. Donc vraiment, si Rommel recevait du monde, si il devait accueillir quelqu'un, c'était vraiment à ce niveau-là, dans cette pièce-là du château. On a vu qu'il y a une terrasse juste derrière, on va vous la présenter juste après. Et donc là, c'est vraiment la pièce, en tout cas, générale. On peut retrouver quelques photos à l'époque où il y était. Si vous faites attention aux images que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, vous pouvez remarquer que c'est souvent les mêmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'histoire de la Roche-Guyon durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire qui est très peu évoquée aujourd'hui et surtout dans laquelle on trouve très peu de sources ou même de photos, voire vidéos. Ce qu'il faut savoir sur la Roche-Guyon, c'est que c'est un quartier général allemand de niveau 5. Niveau 5, c'est le plus haut niveau de sécurité. Autrement dit, on vient pas tourner son reportage comme on veut à l'époque où les Allemands étaient là. Les seules photos qu'on peut voir, je pense que c'était pris soit par la propagande allemande, soit par le photographe personnel de Rommel. Également, je vous parlais des cartes, imaginez bien qu'il y avait tous les préparatifs du mur de l'Atlantique. Autrement dit, si des images étaient diffusées, ça aurait pu compromettre les plans allemands. Donc là, on est vraiment sur la terrasse personnelle de Rommel. On vient de vous montrer vraiment son espace personnel juste avant. Donc, il est dit que Rommel aimait passer beaucoup de temps ici lorsqu'il était au château. Il y a une photo, on le voit d'ailleurs avec son chien, comme vous l'avez raconté, c'est très intéressant. Et du coup, il passait beaucoup de temps sur cette terrasse-là. Rommel aurait raconté que justement, il appréciait beaucoup cette vue qu'il avait sur la Seine, tout simplement peut-être un peu l'espace en lui-même. Donc voilà, encore une fois, juste à côté des appartements personnels de Rommel, il y avait vraiment cette terrasse qu'il aurait considéré comme l'un de ses endroits préférés du château, en tout cas. C'est vrai qu'on a la vue sur la Seine. Il est dit aussi qu'il n'y avait pas trop de vis-à-vis au niveau de la terrasse, du moins ici, vous voyez, il n'y a pas d'habitation autour, donc on ne pouvait pas trop voir Rommel, on va dire, en son espace personnel, sauf là où on peut voir un peu le village à gauche, mais vraiment, au niveau des fenêtres, on ne pouvait pas l'apercevoir, donc ça c'est vraiment, on va dire, un coin intime pour Rommel dans le château à cette époque-là. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a cette vue sur la Seine, et puis même, on va pas se mentir, une terrasse de château, c'est toujours agréable. Erwin Rommel qui est présent au château, quartier général de niveau 5, vous vous doutez bien qu'à l'époque, le village de la Roche-Guyon, ça rigolait pas. Aujourd'hui, la Roche-Guyon est considérée comme la commune la plus occupée de France. Tout simplement parce que le rapport entre nombre d'habitants et allemands est phénoménal. On compte 1500 allemands présents dans la commune pour seulement 550 habitants environ présents à l'époque. Autrement dit, dans cette commune, il y avait littéralement un citoyen pour 3 allemands présents. On comprend donc le niveau de sécurité qui est mis en place. Mais au-delà de ça, et je le répète depuis le début, l'importance cruciale du château de la Roche-Guyon. Donc là les amis, on est dans la bibliothèque de l'étage, la bibliothèque où était Rommel. Il y a eu une histoire assez incroyable dans cette bibliothèque, beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe, si bien que ce n'est pas moi qui vais la raconter. Je vous l'ai dit depuis le début, mais le château de la Roche-Guyon a travaillé pendant plus de 3 ans sur les recherches de la Seconde Guerre mondiale.
Je suis avec Romain qui nous a justement énormément appris sur cette période et qui a fait lui-même des recherches personnelles pendant 2 ans pour enlever un peu toutes les informations, les intox qu'on trouve sur internet. Et je voulais vous laisser parler de la bibliothèque. Alors bonjour à tous, et bien effectivement avec un de mes collègues, donc moi je suis Romain, un de mes collègues Martial, on a fait pendant 2 ans des recherches aux 4 coins du monde, dans les archives en France, en Allemagne, aux États-Unis, pour être absolument sûr de ce qu'on racontait pendant cette visite. Puisque l'idée c'est qu'on a entendu vraiment énormément de choses qui étaient plus ou moins vraies, plus ou moins exactes. Et on n'avait pas envie, en créant cette visite guidée sur la Seconde Guerre mondiale, d'apporter la moindre chose incertaine. Donc effectivement, l'objectif pour nous, c'était d'avoir quelque chose de sûr. Alors en histoire, comme on est nous-mêmes historiens, on n'est jamais sûr à 100%, mais avec plein de documents d'époque qu'on peut vous montrer pendant la visite guidée, avec des documents, des photos, etc. On essaye d'être le plus proche possible de la certitude. Et donc, je vais vous raconter effectivement une histoire assez étonnante que j'ai pu raconter juste avant à Pierre. C'est tout simplement ce qui s'est passé ici, juste là où nous sommes, dans la bibliothèque du château. Il faut imaginer qu'en l'an 2000, il y a eu ici une interview de la BBC, donc une des plus grandes chaînes anglaises et britanniques. Et en fait, il voulait interviewer un soldat assez connu en Angleterre, mais pas connu par tout le monde, qui s'appelait George Lane, qui avait été médaillé après guerre, etc. Qui est donc un homme reconnu. Ils lui ont demandé, voilà, on aimerait vous interviewer sur ce que vous avez fait pendant la guerre, vous n'en avez jamais parlé. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Alors il leur dit d'accord, mais à une condition, l'interview ne se fera pas en Angleterre, chez moi, dans ma maison, mais à La Roche-Guyon, en France, dans un château. Les Anglais n'avaient jamais entendu parler de notre château, bon, tant pis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a demandé en plus à ce que ça ait lieu dans cette bibliothèque, et exactement à l'endroit où nous sommes. Là, à l'époque, on avait mis 2 fauteuils, juste à cet endroit-là, qui ont été retirés depuis. Et donc George Lane s'assoit dans un fauteuil, le journaliste anglais juste en face, sachant que cette interview, vous pourrez la retrouver en Angleterre. Et donc il lui dit, voilà, eh bien écoutez, en fait, je suis déjà venu ici il y a 70 ans. Alors le journaliste calcule rapidement, il lui dit, mais c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, le château était occupé par les Allemands, c'est impossible. Il lui dit, en fait, je vais vous raconter. J'ai participé à ce qu'on appelle l'opération Tarbrush. Alors qu'est-ce que c'est cette opération Tarbrush? Eh bien en fait, encore aujourd'hui, c'est une des opérations de la Seconde Guerre mondiale qui est la moins connue, l'une des moins connues. Ça a duré 3 nuits consécutives entre le 16 et le 19 mai 1944, des commandos, des forces spéciales formées par le SOE, donc Special Operation Executive, donc l'élite des forces spéciales et des commandos, l'ancêtre aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les services secrets, eh bien l'idée c'est que tout simplement on a formé des binômes de 2 plongeurs, 2 commandos, qui vont être amenés près des plages en sous-marin, déposés sur ce qu'on appelle aujourd'hui les plages du débarquement, et pour George Lane notamment, il avait pour mission la fameuse Omaha Beach. Donc il va être déposé sur cette plage avec son binôme qui s'appelait Wooldridge. Et donc, ils vont être déposés à 3 binômes, donc 6 soldats au total. Donc, la première nuit, tout se passe très bien. Ils reviennent, ils rapportent du sable, des photographies, des plages, etc. Deuxième nuit, pareil, tout se passe très bien. À la 3e nuit, les 2 premiers binômes arrivent au sous-marin, mais le dernier binôme, lui, est attrapé par les Allemands. La règle est simple. Depuis 1942, les commandos Act, Hitler dit, quand vous attrapez des commandos, des forces spéciales, vous les tuez immédiatement. Sauf que là, les soldats qui sont sur les plages de débarquement, qui dépendent donc de La Roche-Guyon et donc de Rommel, appellent l'état-major et demandent à Rommel qu'est-ce qu'on fait d'eux. Rommel va aller à l'encontre de l'ordre d'Hitler et va lui dire tout simplement, eh bien, vous me les amenez à La Roche-Guyon. Donc, George Lane et son acolyte vont être attachés les mains dans le dos, c'est lui qui le dit, les yeux bandés, et on va l'amener dans cette pièce. George Lane étant le chef du commando, c'est lui qui va être interrogé. Donc il est assis dans un fauteuil dans cette pièce plutôt confortable. On lui enlève son bandeau et là il se retrouve face à face avec Erwin Rommel, le fameux renard du désert et sans doute l'un des généraux allemands les plus connus, qui avait donc le grade de Feldmaréchal à ce moment-là. Et pendant 3 heures, ces 2 hommes vont discuter, vont échanger, s'envoyer des piques, plaisanter l'un et l'autre, essayer d'obtenir des informations évidemment l'un de l'autre, et pendant 3 heures ils vont discuter ensemble. Sauf que George Lane, pendant qu'il discute et qu'il boit le thé entre guillemets avec Rommel, il se dit « Bon, à tout moment, il va me sortir de la pièce, je vais être fusillé, parce que de toute façon, c'est la règle pour nous, commando. » Sauf que au bout de 3 heures, étonnamment, Rommel le fait sortir de la pièce, il n'a pas réussi à obtenir énormément d'informations, voire quasiment aucune. Et donc il va être emmené à la prison de Fresnes, qui est à l'époque sous autorité allemande. Et finalement, George Lane et Wooldridge ne vont pas être exécutés. Ils vont être amenés directement dans un Auflag, l'Auflag numéro 12 en Allemagne, Auflag pour officier, prison d'officier. Et donc finalement, ils vont survivre à la guerre. Après plus d'un an de captivité, ils vont être rendus à la liberté. Et sauf que George Lane s'est promis une chose, de retour en Angleterre, il ne parlera jamais à personne, ni de sa rencontre avec Rommel ici, ni de l'opération Tarbrush. Et donc ça restera complètement secret jusqu'en l'an 2000, le moment où dans cette salle, là où vous êtes actuellement avec nous, eh bien il y aura cette interview. Et donc non seulement tout le monde va découvrir l'histoire de George Lane, de ses commandos, mais surtout de l'opération Tarbrush. Vous pouvez vous-même faire des recherches. Il y a aujourd'hui encore assez peu d'éléments sur cette opération Tarbrush, qui reste encore un peu mystérieuse parce qu'elle était hautement secrète. À l'époque, très très peu de gens étaient au courant. Et donc là, on est à La Roche-Guyon, à la fois dans la petite histoire, à la fois du château, mais aussi dans la grande histoire du débarquement et de la Seconde Guerre mondiale.
C'est clair, on comprend toute l'importance de cet emplacement. Exactement. Ici, puisqu'il est amené directement là. Exactement. Il se retrouve capturé sur les plages de Normandie. Oui. Et quand il se réveille, il est à la Roche-Guyon. Alors il se réveille, en tout cas, on lui en rouvre les yeux, en tout cas. Quand il retrouve la vue, il se retrouve finalement devant un grand état-major. C'est ça. C'est ça, devant Rommel. Alors il n'y avait pas les autres membres de l'état-major. Rommel a fait ça, entre guillemets, un peu discrètement. Enfin, il allait quand même contre un ordre d'Hitler. Mais bon, voilà, il a fait cette rencontre. Et donc voilà, l'un et l'autre avaient, semble-t-il, du respect l'un pour l'autre, parce que ils savaient que l'un et l'autre étaient même de grands soldats. Et puis Rommel avait du respect pour ces hommes très courageux qui n'hésitaient pas à risquer leur vie et à faire ces actions de commando, même si c'était à l'encontre de son armée évidemment et de sa défense dont il avait la possession mais la responsabilité. Et pourtant voilà, il va respecter ces hommes et leur laisser la vie sauve, ce qui est quand même assez étonnant. Donc quand vous viendrez à La Roche-Guyon et que vous découvrirez la bibliothèque, outre le nombre de livres très impressionnants qu'il y avait ici, pensez une seconde à Georges Lenne, alors qui aujourd'hui n'est plus là, et là c'est à son complice, à son comparse Wooldridge, parce que c'est ici que ça a eu lieu pour eux, et qu'entre guillemets leur vie a été sauvée in extremis. Après cette anecdote racontée par Romain dans la bibliothèque, une personne du public qui regardait le tournage par curiosité a posé la question suivante. Si un commando anglais a été capturé sur les plages de Normandie, est-ce que c'était pas évident pour les Allemands que le débarquement allait arriver en Normandie ? Notez encore une fois que le mur de l'Atlantique, c'est des kilomètres de côte à protéger. On sait qu'un débarquement va avoir lieu, on est quasiment sûr qu'il aura lieu en France, mais on ne sait pas où. La Bretagne, la Normandie, le nord de la France, on ne savait pas. Une grande majorité de l'état-major allemand pensait que si les Alliés faisaient un débarquement, ils choisiraient la facilité, c'est-à-dire un débarquement à proximité des côtes anglaises, notamment le plus près Calais, dans le nord de la France. Et c'est exactement sur ce phénomène que vont miser les forces alliées, le phénomène de dupe. On va bombarder un peu dans le nord de la France pour faire croire qu'on va arriver là-bas, on va envoyer des agents en Normandie pour faire croire que c'est en Normandie. Enfin, vous voyez, vraiment, tout était coup de poker. L'agent aurait pu être capturé dans le nord, et il se serait dit, il va arriver dans le nord, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, les alliés cherchent à feinter. Il y a même l'opération Fortitude qui est lancée, où on met une armée de chars gonflables, on met une fausse armée, pour faire croire que le débarquement va avoir lieu au nord de la France. Donc vous voyez, tout est dupe, donc même si on capture un agent, on est encore sûr de rien, vous voyez ce que je veux dire? Mais la question que vous vous posez peut-être, Rommel, lui, il en pensait quoi? Où allait avoir lieu le débarquement selon lui, puisqu'il est responsable du mur de l'Atlantique? Notez, et ça c'est important, que le mur de l'Atlantique ne date pas de Rommel. Le mur de l'Atlantique, il commence en 1942. Rommel, lui, il arrive début 44. Donc depuis 2 ans, on a commencé à s'étaler un peu partout le long des côtes. C'est difficile de savoir ce que pensait exactement Erwin Rommel à ce moment-là, parce que tout était extrêmement complet. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le débarquement au nord de la France, lui, Rommel, il s'en méfiait. C'est ce qu'on voit notamment dans beaucoup de films comme Le Jour le plus long ou d'autres films sur la vie de Rommel, où on le voit beaucoup dire le débarquement aura lieu en Normandie, je pense que ce sera la Normandie. Où ? En Normandie ? Est-ce que vous les avez contenus sur les plages ? On n'en est pas sûr à 100%, mais en tout cas, je pense que Rommel se doutait que ça pouvait arriver en Normandie. En tout cas, une chose est sûre, beaucoup plus que le reste de l'état-major allemand, qui était persuadé que ce serait à Calais. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2 ans, les fortifications sont beaucoup faites dans le nord, donc on n'est pas abandonné le nord. Donc est-ce que Rommel était sûr à 100% que ça allait arriver en Normandie? Non, je pense que non. Est-ce qu'il se doutait que ça pourrait arriver fortement là-bas? Je pense que oui, en tout cas beaucoup plus que les autres. Mais ça d'ailleurs, c'était dangereux pour les alliés, d'où l'opération Fortitude, pour faire continuer à faire douter l'état-major allemand. Alors ça c'est, normalement les visiteurs n'ont pas le droit d'y aller, mais je veux juste vous montrer ça. Regardez ce que les Allemands nous ont laissé. Une capsule ? Ouais. D'accord, c'est... Donc là vous êtes dans une des grottes qui a été creusée il y a 1000 ans par les premiers habitants. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que vraiment cet escalier là c'était l'escalier qui était emprunté par les simples soldats. L'escalier qui était plutôt emprunté par l'état-major, c'est le grand escalier qu'on a vu avec les portes principales qui étaient de ce côté là du coup. Ici c'est l'une des salles les plus importantes, c'est l'une des salles les plus secrètes durant l'époque où l'Allemagne est ici. Tout simplement car
sur 1500 soldats qui étaient présents en garnison ici, on compte une vingtaine à peu près qui auraient pu franchir les portes qui sont juste ici. Les endroits les plus restreints, les plus, on va dire, gardés à l'abri du reste de la garnison allemande. Tout simplement pourquoi, on va le découvrir dans quelques instants. Mais encore une fois, retenez que les simples soldats allemands passaient par là, mais qu'ils avaient interdiction de franchir ces portes-là. Ils passaient devant, mais ne devaient pas savoir ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est vraiment dans une zone où déjà, il ne fallait vraiment pas entrer. Et on peut remarquer que derrière ce mur, vous allez voir, il est énorme ce mur-là. C'est du béton armé allemand. C'est un mur très renforcé, très épais. Venez voir l'épaisseur du mur. Il est dit par Romain, qui nous a expliqué que même un char qui foncerait dans le mur ou qui essaierait de le détruire n'y arriverait pas tellement que le béton armé est puissant. L'épaisseur, c'est littéralement beaucoup plus que mon bras en béton armé. On compte 1 mètre d'épaisseur. Mais comme vous le remarquez, c'est étrange parce que ce mur est très renforcé, il est littéralement indestructible. Mais vous voyez, je peux le contourner, je peux passer à côté. Donc vous allez me dire, ça n'a pas sens de faire un mur aussi épais, aussi fortifié, s'il y a juste à passer à côté. C'est vide de sens. Et bien vous allez voir que non, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a été aménagé par les Allemands à l'époque de l'occupation. Il n'y a qu'à voir tout le réseau électrique, c'est ce que nous expliquait Romain. C'est tout le génie allemand qui a installé tout simplement le circuit électrique, des mètres de câblage, des kilomètres même de câblage, il me semble. Donc vraiment, tout par les Allemands. Le mur qui est là, en fait, a un but d'insonoriser, de ne pas faire passer le bruit, et surtout de ne pas qu'on puisse voir si jamais les portes étaient ouvertes, ce n'était pas le cas, je pense, mais on ne pouvait pas voir ce qui se passe derrière ce mur. Et derrière ce mur, et c'est là où on trouve beaucoup de bêtises sur Internet, et là, Romain nous a très bien expliqué ça, beaucoup disent une salle radio, tout simplement, qu'il y aurait eu des radios allemandes ici à l'époque de l'occupation pour communiquer. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout la réalité. Romain nous a expliqué que la salle de radio était hors du château. Également, une raison toute bête, pourquoi ça ne peut pas être une salle d'ondes radio. Je vous rappelle qu'il y a 80 mètres de colline au-dessus, les ondes radio ne pourraient absolument pas passer. En revanche, pour du décryptage, pour du décollage, c'est totalement adapté. Je pense que quand je vous parle de cryptage allemand, vous devez sûrement comprendre de quoi je parle. La machine Enigma, la machine qui servait énormément, que ce soit la Luftwaffe, la Kriegsmarine ou l'armée de terre allemande, à crypter tous les messages et à ne pas se faire repérer par les forces alliées, notamment les Anglais qui essayaient de déchiffrer pendant de longs moments. Et bien tout simplement, des machines Enigma étaient présentes ici. Donc on comprend encore une fois toute l'importance de la Roche-Guyon à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On est en lien direct avec la Normandie, si bien qu'une salle de cryptage totalement secrète, rappelons-le, vous avez vu la taille du mur, ça montre un peu l'importance et l'enjeu de ce qu'il y avait ici, était en place. Donc là vraiment, encore une fois, tout a été fait par les Allemands, enfin tu vois, tout ce qui est bétonné ici. Et imaginez bien qu'à l'époque, il y avait des Allemands qui travaillaient sur des machines Enigma. Donc encore une fois, on comprend toute l'importance. Donc là, il y a les coupoles d'origine de l'arme allemande, qu'on retrouve souvent dans les films, dans les bunkers, etc. C'est vraiment le modèle caractéristique. Ce qu'il faut savoir là, c'est que ces grottes sont extrêmement anciennes. Les plus vieilles datent du 9e siècle. Donc ça a été raménagé par les Allemands ici. Vous allez me dire, ils ne mettent pas non plus 500 machines Enigma. À quoi sert un si grand espace? Vous pouvez même voir des gros trous dans le mur, ça c'est les Allemands qui l'ont fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que la Roche-Guyon, c'est l'état-major allemand, c'est un état-major de niveau 5, très renforcé. Il y a Rommel, il y a les machines Enigma, il y a du décryptage, mais pas seulement. La Roche-Guyon, c'est aussi un dépôt de munitions. C'est aussi une plateforme logistique où les munitions vont être amenées puis distribuées sur tout le front ouest. On est 80 mètres sous terre. Dans cette grande zone, on stocke énormément de munitions et d'armes. 80 mètres sous terre, c'est un bombardement, on risquait rien. Donc vous voyez un peu la taille, imaginez vraiment cet endroit rempli de munitions. Une vraie, encore une fois, clé aussi logistique pour tout front ouest. Dans cette roue-là, on les remplissait de tasseaux de bois pour ensuite rajouter de planches, et c'est ce qui faisait des étagères. Donc il faut vraiment imaginer différents niveaux d'étagères et surtout remplis de munitions et d'armement. Rappelons-le, l'armement ne restait pas ici, encore une fois c'était un lieu de transition, on n'était pas là pour suréquiper 1500 hommes, on était vraiment là pour faire transférer l'armement partout où il le fallait à l'ouest. Donc au-delà d'une plateforme de cryptage, au-delà d'un état-major, la Roche-Guyon c'est un gros nœud logistique en France.
Encore une fois, rappelons-le, le but de Rommel, c'est de superviser le mur de l'Atlantique. On parle de 500 000 hommes à équiper, on parle de 500 000 hommes tout au long des côtes à fournir en armement en cas d'invasion alliée. Donc vous imaginez bien à quel point c'est grand et à quel point c'était surtout rempli ici. Parce qu'un dépôt d'armement de 500 000 hommes, il faut un sacré paquet de munitions et une sacrée taille. Et je pense que l'endroit était totalement adapté ici. Je vous retrouve donc ici à l'intérieur des casemates. On est près de cette machine un peu surprenante. Ça, c'est un treuil de bateau donc, qui a été installé par les Allemands, évidemment. L'idée, c'est qu'au départ, les soldats allemands devaient remonter 30, 40, 50 fois par jour peut-être cet escalier avec les lourdes caisses de munitions qui pesaient assez lourdes, les tas de fusils, de pistolets, etc. Et donc, à un moment, ils se sont dit, il faut trouver une solution. Alors, pas loin d'ici, à Gennevilliers, pour ceux qui sont en Île-de-France, vous connaissez le fameux port de Gennevilliers. Et bien là-bas, il y avait les soldats du génie qui dépendaient directement de l'état-major de Rommel. Et en fait, c'était là-bas qu'étaient fabriquées les fameuses asperges de Rommel. Vous avez peut-être vu ça dans plein de films, aussi, Il faut sauver le soldat Ryan, tout ça, où on voit des grandes croix en béton ou en métal pour bloquer les péniches de débarquement. Et puis surtout, c'est là-bas aussi où étaient fabriquées et transporter la plupart des mines qui étaient installées sur les côtes. On dit que Rommel est passé de 2 millions de mines à plus de 4 millions de mines sur les côtes. En tout cas, c'était l'objectif. A priori, il n'a pas atteint ce chiffre-là, évidemment. Et donc, l'idée, c'est tout simplement que les soldats du génie, donc les collègues de ceux qui étaient ici à l'Arjouillon, eux, sous la main, ils n'avaient que des moteurs de bateau. C'était des gars un peu plutôt débrouillards. Donc, ils ont installé ici ce treuil de bateau. On avait mis un chariot dans l'escalier sur une sorte de petit rail. Et donc, ce treuil tirait ici cette machine et ça permettait tout simplement d'amener les caisses de munitions en haut. Donc, les soldats restaient en bas pour charger le chariot. D'autres restaient ici pour le décharger. Mais voilà, ça évitait de faire des allers-retours dans les escaliers toute la journée. Donc, petite astuce, et donc voilà, ce treuil qui est là du coup depuis presque 80 ans maintenant. Vous l'aurez sûrement compris, c'était très protégé, comme le témoigne 7 portes blindées. Donc là, vraiment, c'était le dépôt d'armement, comme on a eu avec l'histoire du treuil juste avant. Non, vas-y, fonds-toi, comme moi. Bon, Romain nous fait comprendre que la porte ne peut pas être détruite, c'est la Deutsche Qualität. Donc regardez un peu l'épaisseur de cette porte, vous voyez, c'est vraiment très épais. Il dit que même une balle de fusil, même une mitrailleuse n'arrivait pas à dégommer cette porte. Les camions, ils arrivaient par là, les portes étaient ouvertes à l'époque. Les camions arrivaient pour déposer les munitions, on prenait les munitions, on servait du petit treuil et on pouvait tout stocker là-haut. Encore une fois, ça montre toute la sécurité qui était mise en place dans cet état-major. Encore une fois, gardez en tête cette vision de logistique. Les armes, les dépôts, les munitions restaient ici moins de 48 heures. C'était immédiatement redistribué. On a beau prévoir pour 500 000 hommes, on ne stocke pas pour 500 000 hommes ici. Donc notez bien que ça va et ça venait à chaque fois parce que finalement, ça devait être redistribué. On a des kilomètres de côtes à défendre, on a des kilomètres de côtes à préparer. Encore une fois, la logistique est énorme. Ça va de la frontière franco-espagnole jusqu'à la frontière entre le Pays-Bas et Danemark. On parle de 3500 km de côte à défendre. Il est dit qu'il fallait un homme tous les kilomètres, c'est ça? En gros, le projet de Rommel, c'était de mettre au moins minimum un homme tous les kilomètres. Vous l'aurez donc bien compris, plus le temps passe, plus l'éventualité d'un débarquement allié se renforce en France. Ainsi, au fur et à mesure des années, le mur de l'Atlantique n'a cessé de se développer. Mais, comme on le sait tous, ça n'empêchera pas les alliés de débarquer en France le 6 juin 1944, heureusement, pour libérer la France. Canadiens, Anglais, Américains, forces françaises libres, le débarquement s'effectue. Le pari de débarquer en Normandie est une réussite totale comparée à ce que aurait pu être un débarquement dans le Nord. L'Allemagne est surprise et vous posez la question, mais que faisait Rommel à ce moment-là? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à contenir les alliés sur la plage? Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour du débarquement, le destin fait que Rommel n'était pas en Normandie. Rommel était parti le 6 juin 1944 fêter l'anniversaire de sa femme à Munich. Donc, il était absolument pas à la Roche-Guyon et loin des côtes. Ce qu'il faut également savoir sur Rommel à la Roche-Guyon, c'est que durant toute la période où il est à la Roche-Guyon, eh bien tout simplement Rommel ne passera pas beaucoup de temps sur place. Pour rappel, il arrive en février 1944 et le débarquement arrive le 6 juin 1944. Mais Rommel ne passera environ que 30 jours durant toute cette période à la Roche-Guyon. Pourquoi? Tout simplement parce que Rommel était un homme de terrain, il était amené à souvent se déplacer pour inspecter les plages dans le Nord, en Normandie, etc. Donc Rommel passait beaucoup de temps sur le terrain et moins, on va dire, dans son quartier général à superviser les opérations. Mais il a quand même bien vécu à la Roche-Guyon pendant environ 30 jours. Et dans tous les cas, il rentrait le soir pour faire ses rapports, etc. C'était intéressant. Il y a vraiment une histoire ici. Hein. Ouais,
Et encore, c'est là dans la visite, c'est une partie seulement. Donc si vraiment tout ce que j'ai trouvé, il y en aurait des heures et des heures. Donc là, on vous a vraiment montré l'essentiel du château. Il se passe encore beaucoup de choses dans le village. On va vous montrer quelques derniers plans. On remerciera énormément Romain qui a énormément travaillé sur ce projet, qui fait des visites du coup une fois tous les mois. C'est ça. Alors au moins une à deux fois par mois. Alors soit moi, soit mon collègue, puisqu'on est deux à avoir créé cette visite. Donc voilà, l'un comme l'autre, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, au moins une fois par mois, vous avez une visite sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée, c'est qu'on passe une heure et demie ensemble avec des documents d'époque que je n'ai pas montré ici, mais voilà, des photos, des documents d'époque, et on vous fait cette visite à la fois dans le château et dans le village, où on vous montre ce que c'est de vivre dans le village le plus occupé de France. Mais pour le reste, eh bien, il faudra venir nous suivre en visite. Voilà. Totalement. Toutes les anecdotes, tout ce qu'on a pu apprendre, c'est grâce à Romain qui a été là, qui nous a accompagnés toute la journée. Donc enfin, encore une fois, c'est vraiment tout son travail. Si cette vidéo est possible, c'est en partie, en très grande partie, grâce à lui. Donc énormément. Avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous accueillir ici et puis à vous accueillir vous derrière votre écran. Donc voilà, si vous êtes passionné par la Seconde Guerre mondiale et que vous avez envie qu'on échange ensemble dessus, vous avez peut-être des infos que moi je n'ai pas, on ne sait jamais, n'hésitez pas à venir au château, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et puis suivez la chaîne de Serge Le Chef, parce que c'est normal. Moi je vais m'abonner dès ce soir. C'est gentil. Dans ce vlog, il y a probablement une chose qui doit vous chagriner, car je n'en ai pas parlé depuis le début. C'est tout simplement les rumeurs de l'assassinat contre Hitler. Cette rumeur qu'on trouve beaucoup sur internet, comme quoi le château de la Roche-Guyon, c'est le QG même du complot contre Hitler, des assassinats prévus contre Hitler. En gros, si vous ne savez pas, à partir de 44-45 surtout, lorsque l'Allemagne perd la guerre de manière de plus en plus évidente, beaucoup d'officiers allemands prévoient d'assassiner Hitler, tout simplement parce qu'on le considère comme tout simplement fou. Et il est dit, on trouve beaucoup, que la Roche-Guyon serait le centre même de tous ces complots-là, et que Erwin Rommel aurait même conspiré contre Hitler. Réalité ou mythe, c'est très dur à prouver historiquement. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est que Rommel lui-même n'a jamais prévu d'assassiner Hitler directement. Ce qui est dit, c'est que Rommel aurait accepté de prendre le pouvoir si Hitler était renversé, mais visiblement, Rommel n'était pas favorable à un assassinat d'Hitler, tout simplement parce qu'il craignait une guerre civile derrière. En tout cas, je pense que lui-même n'a jamais prévu de faire ça. Mais, au cas où, il avait accepté de prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui conduira à la perte de Rommel, tout simplement parce qu'il sera accusé de haute trahison envers le Führer, et il sera donc condamné à mort. Enfin, vu que c'est un héros du Troisième Reich, on ne le condamne pas à mort, parce que tout simplement c'est une légende, et on a peur des répercussions. Alors, Erwin Rommel sera forcé de se suicider le 14 octobre 1944. On fait en sorte que cet événement se passe le plus discrètement possible, tout simplement parce que Erwin Rommel c'était la figure du Troisième Reich, c'était vraiment le renard du désert comme on le dit depuis le début de cette vidéo, et le peuple allemand l'adorait énormément. Donc, malgré tout, il y aura évidemment des funérailles organisées, mais on reste très discret sur sa mort. Le Troisième Reich parlerait même d'une excuse officielle de embolie pulmonaire, comme quoi il était en mauvaise santé et que du coup il est amené à être décédé. Mais encore une fois, notez bien que Rommel lui-même n'a pas conspiré au point de dire on va assassiner Hitler. On ne peut que confirmer en revanche que des membres du complot contre Hitler étaient présents au château de la Roche-Guyon. Je parle notamment de Hans Speidel, le second de Rommel, le général Speidel, qui était présent du coup au château de la Roche-Guyon pour seconder Rommel, qui lui était vraiment membre actif du complot contre Hitler, et du coup d'autres personnes, membres du complot, auraient été amenées à venir dans le château de la Roche-Guyon. En tout cas, c'est ce que Hans Speidel nous explique dans son livre nommé Invasion 1944. Hans Speidel a écrit la phrase suivante: « Presque chaque jour, arrivaient des personnalités du Reich pour s'exprimer librement dans l'oasis de l'état-major de Rommel, loin des griffes de la Gestapo. » En gros, on peut interpréter cette phrase de Speidel comme quoi, au château de la Roche-Guyon, on avait beaucoup moins peur des répercussions parce que c'était Rommel qui dirigeait. On peut pas dire que Rommel acceptait, on peut pas dire que Rommel en entendait parler, mais du coup, on en parlait beaucoup plus librement que dans un autre quartier général qui serait plutôt soumis à la direction d'Hitler. On va dire qu'il y avait une sorte de tolérance peut-être ou de sécurité en plus à en parler chez Rommel, je pense. Donc, encore une fois, notez bien que Rommel n'a jamais participé de manière active à un complot d'assassinat contre Hitler. On ne peut pas prouver à 100% que le château de la Roche-Guyon, c'est vraiment le QG de la résistance anti-Hitler côté allemand, on va dire. Mais, en revanche, on peut confirmer que des membres du complot comme Speidel étaient présents ici et que d'autres personnes sont venues et qui sont amenées à en parler, tout simplement. Petite anecdote qui reste à prouver, c'est que tout simplement Erwin Rommel et Hans Speidel auraient eu une grosse dispute un jour au sujet de l'organisation du mur de l'Atlantique, je pense. Et la dispute était tellement, on va dire, puissante que les deux criaient énormément et qu'apparemment tout le château aurait entendu leur dispute. Voilà, c'est une petite rumeur du château. Sincèrement, je pense que c'est ça qui a coûté la vie à Rommel. Tout simplement, c'est le fait d'être attaché à une armée, une tradition militaire et pas un régime politique, pas au régime du Troisième Reich. Rommel, c'était vraiment un soldat depuis le début et c'est vraiment resté un soldat jusqu'à la fin. Et je pense que c'est ça qui lui a causé du tort parce que Hitler voulait des alliés finalement politiques, il voulait des alliés idéologiques et pas seulement de bons généraux dans son état-major.
Il est dit que durant toute l'occupation du château de la Roche-Guyon par Rommel, il n'y a pas eu un étendard nazi, sur aucune photo on voit un drapeau nazi flotter sur le château. Et il est même précisé, du coup ça on l'a appris par le château de la Roche-Guyon, que aucun salut nazi n'était fait au sein du château de la Roche-Guyon, mais simplement des saluts militaires. Vous voyez un peu toute la différence, vraiment Rommel c'est le côté combattant, c'est le côté militaire, c'est pas le côté on fait de la politique, et ça je le dis depuis le début, et je pense que c'est pour ça que tôt ou tard ça lui a fait du tort. Pourtant Hitler et Rommel s'appréciaient énormément, Hitler même le considérait comme un grand stratège, comme un brillant allié finalement. Mais comme on le sait tous, au fur et à mesure du temps, et ça a été prouvé historiquement, Hitler développe une sorte de paranoïa, il devient méfiant envers tout le monde. Et quand vous voyez l'un de vos meilleurs éléments, tout simplement, qui est tout simplement meilleur que vous, je pense qu'on peut le dire, Hitler c'était absolument pas un militaire, eh bien, on voit bien que le peuple se rattache à une personne autre que Hitler en cas de problème, et ça, je pense que pour Hitler, c'était pas bon. Et bon, après son attentat par bombe en juillet 44, je pense que la confiance était totalement brisée entre Hitler et l'état-major, on va dire, qui n'était pas vraiment très proche de lui. Tout dernier point qu'il est important de préciser, c'est que Hitler ne s'est jamais rendu, il n'est pas venu une seule fois au château de la Roche-Guyon. On entend parler que s'il était venu, il y avait justement un attentat qui était prévu au château de la Roche-Guyon, probablement dans les grottes qu'on a visitées tout à l'heure, je sais pas, peut-être qu'il prévoyait de lui faire péter le dépôt de munitions, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est jamais venu et il n'y a pas eu un attentat organisé au château de la Roche-Guyon, c'est vraiment, on va dire, une rumeur, tout simplement parce qu'il n'a pas posé les pieds là-bas. Très bien les amis, Romain nous a confié une dernière anecdote, c'est que durant la libération en août 44, les Américains seraient arrivés, deux jeeps américaines seraient arrivés avec 4 soldats environ, ils auraient traversé la rue qui est là, et je sais pas pourquoi, peut-être le destin, peut-être le hasard, un camion d'Allemand, encore présent sur zone, qui visiblement aurait raté sa repli, se serait trompé d'itinéraire, arrive en face des Américains. Ce qui se passe, deux jeeps américaines arrivent en face d'un camion allemand, c'est un peu un 4 contre 4 finalement, c'est un peu étrange. Et il est dit que justement, suite à ça, il y aurait eu un affrontement. Malheureusement, un soldat américain trouvera la mort dans cette fusillade. Un soldat français des FFI qui se trouvait là aurait participé au combat et aurait malheureusement trouvé la mort. Donc ce qui se passe, c'est que les Américains se replient avec le blessé, parce que la personne n'était pas encore décédée à ce moment-là. Les Allemands repartent de leur côté, mais de ce qu'on peut comprendre, c'est que du coup, pour les Américains, la ville était encore occupée par l'armée allemande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands avaient fui le château quelques jours avant. Vraiment, l'état-major de Rommel n'était déjà plus là depuis un moment parce qu'il a été blessé en juillet. Mais tout l'état-major avait quitté le château, il n'y avait vraiment plus aucun Allemand. C'est vraiment la camionnette des 4 en fait qui fait penser aux Américains qu'il y a encore de l'occupation dans la ville. Il n'y a vraiment plus personne, il n'y a plus de garnison allemande dans la ville. Mais pour les Américains, du coup, suite à cet échange de coups de feu, où ils ont vu du coup 4 mécaniciens de l'armée allemande, la ville est encore occupée. Donc les soldats américains vont faire part de leur découverte à l'état-major, ça va remonter au plus haut état-major. Ce qui va se passer, c'est que les Américains, leur but c'est de libérer Paris. Du coup, ils se disent, il faut que la Roche-Guyon ça soit aussi nettoyée. On souhaite enlever cette garnison allemande. Ce qui va se passer, c'est assez triste, mais c'est que tout simplement, les forces alliées vont bombarder le village de la Roche-Guyon. Comme vous pouvez le voir ici, avec on va dire un peu ces ruines, il y avait des maisons ici qui ont reçu des bombes. On compte une 70aine de bombes qui seraient tombées. Finalement, pour rien, puisqu'il n'y avait vraiment plus aucun Allemand. Heureusement que le maire avait senti que quelque chose de mauvais se préparait. À cette époque-là, il n'y avait plus d'habitants dans la ville. Le maire avait ordonné l'évacuation de la ville, justement, pour éviter cette situation. Paris était déjà libéré. En fait, le temps que l'information arrive qu'il fallait justement libérer la Roche-Guyon, Paris était libéré avant, mais la Roche-Guyon était quand même bombardée. Le château lui-même a subi des coups, a subi des bombes. C'est dur de trouver des images d'archives, mais il a été vraiment endommagé. Il faudra quelques décennies pour la reconstruction entière du château. Et du coup, c'est aussi le village qui a pris le tracé de bombe est parti du château et a longé tout le village avec quelques maisons ici. Je vous parlais des dégâts des bombes il y a quelques instants. Ce qui avait pris assez cher, c'était l'écurie. Il y a très peu de photos qui le montrent, mais l'écurie avait été extrêmement endommagée. Encore une fois, c'est en rapport avec le fameux tracé de bombe dont je vous parle. Justement, les bombes sont tombées là et ont longé pour détruire les maisons qu'on a vues juste avant. Donc vous voyez, il y a quand même eu pas mal de dégâts à ce niveau-là. 70 grosses bombes qui tombent sur la commune de la Roche-Guyon et aucun mort, on peut dire que la commune s'en sort bien. Mais encore une fois, faut garder en tête que ce bombardement était inutile, simplement à cause de 4 Allemands qu'on avait croisés quelques jours avant. Pour la petite anecdote, le seul blessé de ce bombardement, si on peut dire ça, ça aurait été un petit chaton qui aurait été retrouvé quelques jours après, mais encore une fois, en vie. Je pense que c'est la toute dernière étape de notre vlog sur ce château de la Roche-Guyon et sur Erwin Rommel. Je vous en parlais tout à l'heure, le combat entre les 4 Allemands et les Américains, et le Français des forces françaises de l'intérieur. Ici, la plaque du Français qui est malheureusement tombée, c'était le lieutenant Edmond Mansuy, qui est du coup tombé à l'âge de 72 ans durant cette confrontation, qui donnera probablement lieu au bombardement d'après. Témoignage des combats qui ont eu lieu dans cette ville, on peut voir en haut de la mairie des impacts de balles de la confrontation qu'il y a eu entre les Américains et les Allemands.
Ok les amis, c'est donc la fin de ce tout nouveau vlog. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire. Comme d'habitude, on regardera ça. C'était un long projet parce qu'il a fallu s'organiser avec le château. Je les remercie d'ailleurs énormément. L'administration du château, encore une fois Romain, qui ont énormément contribué et participé à ce projet. Ça a été assez long à la réalisation, mais j'espère que le rendu final va vous plaire. C'était vraiment le but, vraiment de chasser un peu tous ces intox qu'on avait sur le château de la Roche-Guyon. Et surtout de raconter cette histoire qui est très peu parlée, très peu évoquée en France. Et qui, comme vous l'avez vu, est tout simplement incroyable. Donc voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à faire le retour. Et on regardera ça. À la prochaine. Merci.